Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et ce sera pour la présentation de mes créations pour le concours de 10 bébules. Donc le premier thème que j'ai choisi c'est change de couleur. Donc du coup j'ai voulu représenter un petit caméléon de film du dessin animé Rang Django. Vous aurez une photo qui s'affiche. Donc pour cela j'ai réalisé une tête comme image en fait. Et les détails des écailles, je les ai réalisés avec un dossier tout. J'ai utilisé majoritairement des poutres Perlex et de la pâte polymère Prémo qui brille souvent, la bleu pan par exemple. Donc j'ai choisi de faire un caméléon parce que bien sûr c'est un animal qui change de couleur dans la vie et qui s'adapte à son environnement. J'ai décidé de mettre cette création sur un fond bleu comme sur l'image. Alors là, je vous montre un peu les effets de lumière qui jouent avec les poutres Perlex que j'ai à rajouter sur la couleur bleue du caméléon. Et le deuxième thème, j'ai choisi Marvel. Donc j'ai réalisé des petits porte-clés avec des petits personnages que je représente déjà en princesse, etc. Et ça faisait un moment que je voulais faire pour des garçons, et du coup, grâce à ton concours Libébule, je me suis lancée. Donc le premier, c'est Captain America, où j'ai réalisé son bouclier à l'arrière. Tout est réalisé entièrement en pâte polymère. Et le deuxième, c'est Spider-Man. Les seules choses qui ne sont pas faites en pâte polymère, mais avec un stylo noir, ce sont les traits d'étoiles d'araignée de Spider-Man. Sinon tout le reste est fait en fimo. Voilà, ces deux petits porte-clés qui sont pas très grands et que j'ai réalisé donc pour le thème de Marvel. Je compte réaliser les autres personnages, notamment Iron Man, Thor, Hulk, etc. en porte-clés comme ceci. Donc il représente bien une seule création et pas deux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de commenter la vidéo, de vous abonner si vous ne suivez pas, car il y a d'autres vidéos qui arrivent très bientôt, et notamment des tutoriels. Je te remercie Libébule pour réaliser ce concours avec tous ces lots. Je te fais des bisous et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.